avait une fois un jeune chasseur. Il était d'humeur légère et joyeuse et se rendait à l'affût dans la forêt. Et comme il allait ainsi, tout en s'amusant à souffler à travers une herbe, arriva une vieille et vilaine petite mère qui lui adressa la parole. « Bonjour, brave chasseur. Te voilà de bien belle humeur, pendant que moi j'endure la faim et la soif. Fais-moi donc une petite aumône. » Le chasseur eut pitié de la pauvre petite mère. Il mit la main à la poche et lui donna ce qu'il pouvait. Il voulait continuer sa route lorsque la vieille le retint et lui dit « Écoute un peu ce que je vais te dire. Puisque tu as si bon cœur, je vais te faire un cadeau. Continue ta route. Au bout d'un petit moment, tu vas arriver à un arbre dans lequel 9 oiseaux se chamaillent pour un manteau. Épaule ton fusil et tire dans le tas. Ils abandonneront le manteau. Mais l'un d'eux sera touché et tombera mort à tes pieds. Emporte le manteau. C'est un manteau magique. Si tu le mets sur tes épaules, il te suffit de souhaiter être à un endroit et hop, aussitôt dit, aussitôt fait, tu t'y trouves à l'instant même. Quant à l'oiseau mort, ouvre-le. Prends son cœur et avale-le en entier. Tous les matins à ton réveil, tu ramasseras une pièce d'or sous ton oreiller. Cela viendra du cœur de l'oiseau. » Le chasseur remercia la magicienne en songeant à part lui. « Si seulement tout cela pouvait arriver, ce serait trop beau. » Mais il n'avait pas fait 100 pas qu'il entendit dans les branches au-dessus de sa tête un concert de cris et de pépiments. Levant la tête, il aperçut une masse d'oiseaux qui jouaient des griffes et du bec autour d'une pièce d'étoffe, la tiraient et se bagarraient comme si chacun la voulait pour lui tout seul. « Ça alors, c'est extraordinaire !» Il arrive exactement ce que la petite mère avait dit. Il saisit son fusil, épaula et tira en plein milieu de la mêlée en soulevant un nuage de plumes. La bande s'enfuit aussitôt à grands cris, tandis qu'un des oiseaux tombait mort et que le manteau dégringolait à ses pieds. Le chasseur fit comme la vieille lui avait recommandé. Il ouvrit l'oiseau, chercha le cœur, l'avala et emporta le manteau chez lui. Le lendemain, à son réveil, il se rappela la prédiction de la vieille et voulut voir si elle s'était réalisée. Lorsqu'il souleva son oreiller, il vit étinceler une pièce d'or. Le lendemain, il en trouva une autre, et ainsi de suite, chaque fois qu'il se levait. Il eut bientôt un monceau d'or, mais à la fin, il songea. « À quoi me sert tout cet or si je reste chez moi? Je vais m'en aller et parcourir le monde. » Alors, il prit congé de ses parents, mit sa gibecière et son fusil en bandoulière et partit dans le monde. Il se trouva un jour à traverser une épaisse forêt. Et quand il fut arrivé au bout, il vit se dresser devant lui un château imposant au milieu d'une plaine. À une des fenêtres se tenait une vieille ainsi qu'une jeune fille d'une beauté merveilleuse qui regardait venir le jeune homme. Mais la vieille était une sorcière et elle dit à la jeune fille « Tiens ! Voilà quelqu'un qui sort de la forêt avec dans son corps un trésor merveilleux. Nous allons devoir le charmer, fillette de mon cœur, car ce trésor sera plus à sa place avec nous. Il transporte en lui le cœur d'un oiseau, ce qui fait qu'il trouve une pièce d'or tous les matins sous son oreiller. » Et elle lui expliqua comment cela s'était produit et le rôle qu'elle aurait à jouer maintenant. Elle la menaça pour terminer et lui dit en roulant des yeux terribles « Si tu ne m'obéis pas, il t'arrivera malheur. » Lorsque le chasseur se fut rapproché, il aperçut la jeune fille et se dit « J'ai suffisamment traîné mes guêtres de droite et de gauche, je vais me reposer un peu et entrer dans ce beau château. J'ai tout l'argent qu'il faut pour cela. » En réalité, c'était parce qu'il avait posé les yeux sur la belle et pour aucune autre raison. Il entra donc dans la demeure, y fut accueilli aimablement et traité avec beaucoup d'égards.
Au bout de peu de temps, il était tellement épris de la fille de la sorcière qu'il ne pensait plus à rien d'autre. Il passait son temps, le regard plongé dans ses yeux, et faisait tout ce qu'elle voulait. Alors la vieille dit : « Le moment est venu d'avoir le cœur de l'oiseau. Il ne s'apercevra même pas qu'il ne l'a plus. » Elle prépara une potion. Et quand elle fut prête, elle la versa dans un gobelet qu'elle donna à sa fille avec pour mission de l'apporter au chasseur. « Tiens, mon bien-aimé, » dit la jeune fille, « bois ma santé. » Il prit le gobelet et quand il eut avalé la potion, il rendit le cœur de l'oiseau. La jeune fille dut s'en saisir en cachette et l'avaler à son tour comme le voulait la vieille. À partir de ce moment, il ne trouva plus d'or sous son oreiller. L'or apparaissait sous celui de la jeune fille, où la vieille venait le récupérer tous les matins. Mais le jeune homme était tellement épris et fou d'amour qu'il ne pensait qu'à passer tout son temps en compagnie de la demoiselle. Alors la vieille sorcière dit « Nous avons le cœur de l'oiseau, mais nous n'avons pas encore le manteau magique. Nous allons devoir lui prendre lui aussi. » La fille répondit « Il a déjà perdu toute la source de sa richesse. Laissons-lui le manteau. » Alors la vieille se mit en colère. « Un manteau pareil, c'est une chose absolument exceptionnelle. Il n'en existe que très peu au monde. Je veux l'avoir et je l'aurai, tu m'entends ?» Et elle donna des coups à la jeune fille en lui disant que si elle n'obéissait pas, il lui arriverait quelque chose de terrible. Alors, elle fit ce que la vieille exigeait. Elle se tint à la fenêtre et se mit à regarder au loin d'un air tout triste. Le chasseur lui demanda « Que fais-tu là, mon cœur? Pourquoi as-tu l'air si triste ?»« Ah, mon chéri !» Je regarde le mont des grenats qui se dresse tout là-bas et où croissent des pierres précieuses magnifiques. J'en ai si grande envie que je me sens triste, rien que d'y penser. Qui pourrait aller en chercher? Personne, jamais. Il n'y a que les oiseaux qui peuvent aller là-bas en volant. Si c'est là tout ton chagrin, je peux tout de suite y remédier, répondit le chasseur. Il la prit avec lui sous son manteau. Souhaita être là-bas, sur le mont des grenats, et dans l'instant même, ils s'y trouvèrent tous les deux. De tous côtés resplendissaient des pierres précieuses. C'en était un bonheur pour les yeux. Ils se mirent à ramasser les plus belles et les plus prestigieuses. Mais la vieille avait alourdi par son art les paupières du chasseur, qui dit à la jeune fille « Asseyons-nous un peu et reposons-nous. « Je suis si fatigué, je ne tiens plus sur mes jambes. » Ils s'assirent donc, il posa sa tête sur les genoux de la demoiselle et ferma les yeux. Quand il fut endormi, elle détacha le manteau des épaules du chasseur, s'en revêtit, prit les grenats et les pierres qu'ils avaient récoltées et souhaita se retrouver chez elle. Lorsque le chasseur eut émergé de son sommeil et se fut éveillé, il constata que sa bien-aimée l'avait trahi et abandonné seul sur la montagne désolée. « Ah, que la perfidie est grande dans ce bas monde !» Il s'assit, en proie au chagrin et à la douleur, et ne sachant que faire. La montagne appartenait à d'énormes géants féroces qui habitaient là-haut et passaient là leur existence. Et tandis qu'il était assis, il vit trois d'entre eux marcher dans sa direction. « Je ne vois pas comment je puis me sauver autrement qu'en feignant de dormir. » Et il s'allongea bien vite, en simulant un profond sommeil. Quand les géants furent arrivés à sa hauteur, le premier le poussa du bout du pied en disant « Qu'est-ce que c'est que ce ver de terre qui a l'air de se regarder à l'intérieur? Écrase-le » dit le deuxième. « À quoi bon ?» dit le troisième avec dédain. « S'il monte plus haut, jusqu'au sommet, il sera emporté par les nuages, entraîné loin d'ici. » En disant cela, ils s'éloignèrent, mais le chasseur les avait écoutés attentivement. Dès qu'ils furent partis, il se leva et grimpa jusqu'au sommet. Au bout d'un petit moment qu'il était assis là,
Un nuage qui planait dans sa direction le saisit, l'enveloppa et l'entraîna au loin. Après avoir voyagé un temps, le nuage descendit et s'immobilisa au-dessus d'un grand potager entouré de murs de sorte que le chasseur atterrit sans mal au milieu des choux et des légumes. Alors il regarda autour de lui et dit oh, « Si seulement j'avais quelque chose à manger, j'ai si grand faim. Et avec ce qui m'attend encore, cela risque de ne pas être facile. Mais je ne vois ni pommes, ni poires, ni fruits d'aucune sorte. Que des salades à perte de vue. Bon, à défaut d'autre chose, je peux toujours manger de la salade. Cela va me rafraîchir et me donner des forces. » Alors il choisit une belle tête de salade et se mit à manger. Mais à peine en avait-il avalé quelques bouchées qu'il éprouva une impression bizarre et se sentit tout drôle. Et il constata avec effroi qu'il s'était transformé en âne. Mais comme il avait encore grand faim et que la salade savoureuse lui paraissait maintenant tout à fait délicieuse, et pour cause, il continua à manger avec avidité et à tout dévorer, jusqu'à ce qu'il parvint à un autre rang de salade d'une espèce différente. Et à peine en eut-il avalé un peu, qu'il sentit s'opérer une nouvelle transformation et qu'il retrouva avec bonheur son apparence initiale. Alors le chasseur s'allongea et dormit tout son sou. Et lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il cueillit une salade de chaque espèce, la bonne et la mauvaise. « Voilà qui va m'aider à récupérer mon bien et à punir la déloyauté. » Il prit les salades, escalada le mur et partit à la recherche du château de sa bien-aimée. Après avoir erré quelque temps, il fut assez heureux pour le découvrir. Alors il se noircit rapidement le visage, au point que sa propre mère ne l'eût pas reconnu, se rendit au château et demanda l'hospitalité. « Je suis tellement fatigué que je suis incapable d'aller plus loin. »« Qui es-tu, compère? Et quel est ton métier ?» interrogea la sorcière. « Je suis messager. On m'a envoyé à la recherche de la plus délicieuse salade qui puisse exister au monde. J'ai eu la chance de la découvrir. » Et je la rapporte avec moi. Mais le soleil tape si fort que les feuilles délicates menacent de se flétrir, et je ne suis pas sûr de pouvoir la conserver intacte plus longtemps. En entendant parler de cette salade exquise, la vieille fut remplie de convoitise et lui dit « Cher compère, pourrais-tu nous faire goûter de cette salade extraordinaire ?»« Pourquoi pas? J'en ai rapporté deux têtes. Je peux bien vous en laisser une. » Cela dit, il ouvrit son sac et lui tendit la mauvaise salade. La vieille n'y vit point malice. L'eau lui vint à la bouche à la vue de ce mets d'une espèce nouvelle au point qu'elle courut elle-même à la cuisine pour le préparer. Lorsqu'elle eut fini, elle n'eut pas la patience d'attendre qu'il fût sur la table. Elle en saisit aussitôt deux feuilles qu'elle mit dans sa bouche. Mais à peine les eut-elle avalées qu'elle perdit sa forme humaine et se précipita en bas dans la cour sous la forme d'une ânesse. La servante arriva peu après dans la cuisine, aperçut la salade prête à être servie et entreprit de la porter à table. Mais en chemin, elle voulut goûter au plat selon sa bonne vieille habitude et en mangea quelques feuilles. Aussitôt, celles-ci exercèrent leur vertu. Elle fut, elle aussi, transformée en ânesse et courut rejoindre la vieille en bas, tandis que le plat tombait sur le sol. Le faux messager était assis pendant tout ce temps aux côtés de la belle demoiselle. Et comme personne n'arrivait avec la salade, dont elle avait grand envie, elle se prit à dire « Je me demande où est passée cette salade. » Le chasseur pensa « La salade a déjà dû produire son effet. » Puis il dit « Je vais aller voir la cuisine. » En descendant, il aperçut les deux ânesses qui galopaient dans la cour et la salade répandue sur le sol. « Très bien, ces deux-là ont leur compte. » Il ramassa le restant des feuilles, les remit dans le plat et les apporta à la jeune fille. « Je vous apporte moi-même cette merveille pour que vous n'ayez pas plus longtemps à attendre. »
Elle n'en eut pas plus tôt mangé qu'elle fut comme les autres privée de sa forme humaine et partit courir dans la cour sous les traits d'une ânesse. Alors le chasseur se lava le visage et descendit dans la cour afin de se faire reconnaître de ses victimes métamorphosées. Maintenant, vous allez recevoir le salaire de votre perfidie. Il les attacha toutes les trois à une corde et les poussa devant lui jusqu'à ce qu'il atteignît un moulin. Alors, il frappa au carreau du meunier. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le meunier. « J'ai là trois mauvaises bêtes. Si vous voulez bien les prendre avec vous, leur donner fourrage et litière et les traiter comme je vous le demanderai, je vous paierai le prix que vous voudrez. »« Pourquoi pas ?» répondit le meunier. « Et comment dois-je les traiter ?»« Vous donnerez chaque jour trois rations de coups et rien à manger à la vieille ânesse. » dit-il en montrant celle qui avait été la sorcière. « À la moins vieille ?» dit-il en désignant l'ancienne servante. « Une ration de coups et trois rations de foin. Et à la plus jeune ?» dit-il en montrant l'ancienne demoiselle. « Pas de coups et trois rations de foin. » car il n'avait pas le cœur de la faire battre. Là-dessus, il retourna au château où il trouva tout ce dont il avait besoin. Au bout de quelques jours, le meunier vint le trouver. « Je dois vous prévenir que la vieille ânesse est morte, celle qui devait ne recevoir que des coups et rien à manger. Les deux autres bêtes ne sont pas mortes et elles ont donc à manger, mais elles sont si tristes qu'elles n'en ont plus pour longtemps. » Alors, le chasseur fut empli de pitié, et toute sa colère tomba. Il dit au meunier de ramener les bêtes, et quand elles furent de retour, il leur fit manger de la bonne salade, et elles retrouvèrent leur apparence humaine. Alors, la belle jeune fille se jeta à genoux devant lui. « Ah, mon bien-aimé, pardonnez-moi le mal que je vous ai fait, c'est ma mère qui m'y a forcé. Tout s'est fait en dépit de moi, car je vous aime. » Votre manteau magique est serré dans une armoire. Et quant au cœur de l'oiseau, je vais prendre un breuvage pour vous le restituer. Mais il était d'un autre avis. Et lui dit... Garde-le. Cela revient au même, puisque je veux faire de toi ma fidèle épouse. Le mariage fut donc célébré. Et ils vécurent ensemble heureux jusqu'à leur mort.